Muhammad Wasallam. Ara meno be tumundi do Dr. Dial Alba Alpha ara Muhammad ala ji jindi bantaya tenu bande ala jamu jindi jalla mo meede sibe meede kota meede be seeni hiwra golle teli me defo me haldi me wadu fere me dabbana be ko be soda lekki me hebi do dala guluji tati yewtuna Dr. Diaw fekina de 3000 dollars ara salama ko tumbe Allah masalla Allah sallallahu alaihi wasallam arai non des ressortissants de Télémélé que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur on a été très marqué par la maladie de notre frère de notre oncle de notre fils et on sait chacun peut tomber malade mais ce qu'il a vécu a touché tout le monde principalement ses parents on ne peut pas rester comme ça sans agir c'est vrai que on l'a rendu visite c'est vrai que les gens de Télémélé il est de Télémélé nous rendent sérieusement visite quand il était à l'hôpital quand il était en prison et jusqu'à maintenant les gens lui rendent visite et on est fiers aussi de lui nous donc les ressortissants de Télémélé de l'intérieur c'est une contribution, une modeste contribution pour l'accompagner dans ses soins. Et on veut compte guérison et qu'il retrouve sa santé et toute sa vigueur pour qu'il nous revienne avec son courage pour non seulement le développement de Télémélé, mais pour le développement de toute la Guinée et vraiment le développement de la région. On veut que réellement il vit pendant longtemps, on prie le bon Dieu pour que cette mémoire qui est là, qu'il essaie vraiment de le transférer, ou en tout cas de donner, de transférer. Il ne veut pas qu'il disparaisse maintenant. Donc c'est une petite contribution de tout Télémélé à son fils. L'argent Amadou Dioulde, c'est 3000 dollars que les ressortissants de Télémélé vous donnent. Vous avez senti qu'ils sont fiers de vous. Fiers de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et ils ont justement peur que la maladie joue sur votre capacité de production intellectuelle, et ils souhaitent que vous ayez rapidement les médicaments qu'il faut pour nous revenir rapidement et continuer le travail combien élogieux que vous faites tous les jours. Je vous remercie, je ne suis pas surpris. Parce que je sais que mon nombril est à Télémélé, je suis fils de Télémélé. Tout ce que je le fais pour Télémélé, au nom de Télémélé. J'ai subi beaucoup d'injustices, j'ai été renvoyé de la RTG, j'ai été privé de salaire depuis mars 2014, j'ai été mis en prison pendant 3 mois, mais je reste fidèle à mes convictions et je me battrai toujours pour défendre la vérité, toujours contre l'injustice, et les primates, s'il plaît à Dieu. Encore une fois, merci. Puisse Dieu vous le payer au centuple. Merci beaucoup au nom de ma famille et de moi-même. Je tiens particulièrement à remercier mes frères et sœurs. Je me rends compte que je ne suis pas seul et que le combat que je le mène au nom de tout Télémélé, au nom de toute la Guinée, pour le triomphe des idéaux de justice, de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale et de solidarité. Merci beaucoup.